Enfin, je vais poser une question en fait par rapport au mariage, puisque j'ai 22 ans et le Seigneur m'a fait grâce qu'il m'a mis avec quelqu'un, il m'a confirmé que c'est cette personne-là qui sera mon époux. Mais il y a un problème au niveau de ma famille. Ils sont contre, enfin, ils se disent religieux, enfin, ils se disent chrétiens, mais ils sont plus endurcis que les personnes de l'extérieur que je côtoie, ou eux-mêmes me disent que voilà, c'est l'homme que Dieu t'a donné. Donc. Cette personne, cet homme est de ton pays? Non, moi Donc, je suis camerounaise, il est congolais. voilà, le problème est là. Alléluia. Amen. Entre Africains, il y a beaucoup d'antipathie, beaucoup d'animosité. Hein, donc, c'est quand même terrible. Hein. Voilà, donc, donc c'est un problème de racisme, tout simplement. Je crois qu'ils veulent un. T'es Bamileke? Ils veulent ça, ils veulent quelqu'un de Yaoundé, non? Je sais pas en fait, puisque moi, enfin, j'ai dit à mon Dieu que je veux pas les coutumes. J'ai dit, je veux pas les, je refuse tout ce qui est rituel Et là, est-ce qu'ils t'ont coutume. proposé un homme? Mes parents, ils veulent un homme qui est bien dans l'apparence. En fait, ils veulent un homme qui soit comme avocat, médecin. Voilà, parce que moi, en fait, j'ai fait des études de médecine. Et Bon, le faut. Congolais en question n'a pas de diplôme. Non, il a un diplôme. Attends, 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 Il attends. a un diplôme, il a un diplôme. Hein, on discute, hein? Non, Il y a mais. plein de Congolais qui ont le diplôme, hein, notamment de médecins. Mais est-ce que celui-là, est-ce qu'il a un diplôme? Oui, il a un diplôme, il a fait des études, il a un diplôme, mais je ne sais pas ce qui ne marche pas dans ma famille parce que j'ai demandé à Dieu. Parce que c'est un Congolais et toi, tu es Camerounaise. Non. C'est comme ça se passe. Si, même s'il était ivoirien, ça va être la même chose. Déjà, entre Congolais, il y a beaucoup de problèmes. Entre Ivoiriens, il y a beaucoup de D'accord. problèmes. Voilà, les Bété ne veulent pas que leur femme épouse les Djoula. D'accord. Donc, c'est comme ça. L'homme est comme ça. Maintenant, si ça vient de Dieu, toi, reste à la prière. Ne te précipite pas. Dieu touchera leur cœur. Amen, amen, D'accord? amen. Voilà. Merci.